Si ça se trouve, t'as un parasite dans le bide et tu ne le sais même pas. Voici le ténia du bœuf ou ver solitaire, un genre de ver plat spaghetti qui se loge dans les intestins et qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Il s'attrape en ingérant de la viande crue ou peu cuite de bœuf. Car avant de se trouver dans l'être humain, le ver solitaire passe par un premier hôte, un bœuf. Ingéré par un bovidé sous forme d'œuf, ils vont ensuite éclore dans ses intestins, puis en grandissant, vont traverser la paroi intestinale pour rejoindre la circulation sanguine et s'enquister au chaud dans un muscle qui sera consommé par l'humain juste après. Le plus vicieux, c'est que c'est très asymptomatique comme parasite, ça ne rend pas très malade. Une fois ingéré par son nouvel hôte, le ténia adulte va se fixer dans son intestin et grandir et l'affamer. À terme, il va s'auto-féconder en toute discrétion et pondre des milliers d'œufs dans des anneaux qu'il va relâcher et que l'humain infesté découvrira dans ses selles au fond des toilettes. Ces œufs, dans les eaux souillées, pourront peut-être ensuite rejoindre de verts pâturages et infester d'autres bœufs pour recommencer ce merveilleux cycle.